Alors, comment gagner 2000 euros au pari sportif? Donc, bonjour à tous, c'est Prodo Matteo. Quand allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va super bien, j'ai complètement loupé mon intro, mais c'est pas grave. On va voir comment gagner 2000 euros au pari sportif par mois, hein. Évidemment, en faisant un petit récap, tous les tipsters que je recommande au sein des paris sportifs. Donc, vous aurez accès en description à tous les sites et vous aurez accès aussi au bilan infalsifiable. Alors, je répète. Bilan infalsifiable, c'est un bilan Oddsportal. Donc Oddsportal, c'est le seul site qui vous permet de faire des bilans complètement infalsifiables, puisque une fois que vous mettez le pronostic en jeu sur le site de bilan Oddsportal, bah, vous pouvez pas le trafiquer, vous pouvez pas l'enlever, vous pouvez rien faire à part effacer tout l'historique de A à Z et tout ce que vous pouvez faire. Donc voilà, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé sur le mois. Alors, je vais vous parler de ROI. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, ROI, c'est un retour sur investissement. Donc on va voir ce que ça donne. Et effectivement, plus vous donnez de pronostics, plus vous avez des chances d'avoir des unités de mise gagnées. Donc les unités de mise, on va voir aussi ce que c'est. Alors le premier qui arrive, c'est match truqué avec plus 46 de ROI, donc ce qui est tout simplement énorme. Donc ça, c'est un récap pour mi-mois. On est aujourd'hui le 14, je vais essayer de poster la vidéo et de faire le montage. Aujourd'hui, on est à plus 10 unités de mise gagnées, donc bravo à eux. Donc le site, c'est matchtruqué.com et vous pouvez retrouver le profil Oddsportal ici, matchtruqué.com. Tout simplement sur le nom de profil. Donc vous aurez le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus. Que dire sur match truqué? Que dire plutôt sur les profils Oddsportal et ils sont privés. Pourquoi ils sont privés? Parce que tout simplement, on va pouvoir les ouvrir de temps en temps, qu'on ne donne pas de nouveaux pronos, que vous puissiez voir l'historique des pronos donnés. Mais vous avez le résultat, et ce qui compte le plus après savoir ce qu'ils ont donné exactement comme match, bon, on s'en fout un peu. Par contre, on va essayer de vous mettre à la fin des mois les statistiques détaillées. Sur quel championnat ils s'en sont sortis, sur quel championnat ils s'en sont pas sortis, et ça sur tous les sites qui sont ici. Donc je rappelle que c'est des sites qui sont rattachés à ma société, Match Truqué, Hello Prono, French Prono, Analyse Football Match, Volleyball Pronostic, moi-même, Meilleur Pronostic Foot, Cash Tennis. Et je rappelle que je arrive deuxième, hein, même si je suis là au niveau du classement, Prono Matteo, plus 18 de ROI, donc j'ai classé par ROI, mais en unité de mise, hein, je suis deuxième puisque je fais 8-5 d'unité de mise gagnée. Donc les profils Oddsportal, oui, ils sont en privé. Pourquoi en privé? Parce que tout simplement, sinon, vous voyez les futurs pronostics qu'on a donnés. Et les pronostics, ils sont donnés qu'aux personnes qui nous font totalement confiance. Donc Hello Prono, on est à plus 45 de ROI, plus 3 unités de mise. Donc bravo à eux, très très peu de déchets. French Prono, zéro pronostic loupé. Donc forcément, ça fait un plus 44 de ROI. Après, ils n'ont pas donné beaucoup de pronos, donc on a plus 2, voire 3, quasiment unité de mise gagnée. Donc pareil, hein, profil Oddsportal, French Prono, Argel. Analyse Football Match, on a plus 34 de ROI avec 3,7 unités de mise de gagné. Volleyball Pronostic, on a 32 de ROI avec une unité de mise gagnée. Alors pareil, c'est du volleyball, il y a très très peu de pronos. Mais il me semble qu'il n'y a pas loupé sur le mois. Prono Matteo, donc moi-même, avec plus 18 de ROI et plus 8,50 d'unités de mise gagnée. Ouais, je sais. Meilleur pronostic faute, plus 18 de ROI, plus 1 unité de mise de gagné. Cash Tennis, plus 8 de ROI avec un petit 0,6 unité gagnée, mais il est en positif comme 3%. Je rappelle des parieurs sur le long terme, donc bravo à lui encore. Et pareil, hein, vu que Cash Tennis a ouvert son Oddsportal depuis un petit moment, vous allez pouvoir voir le récapitulatif des mois précédents. Prono Football, donc lui c'est un Oddsportal qui vient d'être ouvert, donc on est à plus 8 de ROI avec plus unité de mise gagnée. Donc si je fais le total en fait de toutes ces personnes là qui arrivent en premier, on a plus 32 unités de mise. Et si je regarde ParionStat et Basket Infinite, qui eux sont en négatif, mais ParionStat c'est un tout petit négatif avec moins 0,7 unités de mise. Basket Infinite pareil, on est à moins 1 unité de mise parce qu'il y a eu très très peu de pronos gagnés. Donc là ParionStat, hein, pareil, s'ils passent leur pronos du jour, ils sont en positif. Et Basket Infinite, y a très très peu de pronos basket en ce moment. La saison n'a pas du tout été relancée. Donc totalement confiance en lui, il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. Donc si je prends le total de tout le monde, on est à 31 unités de mise gagnées. Donc là, vous aurez un petit récapitulatif de ce que vous auriez gagné par mise en suivant tous les pronostiqueurs que je conseille. Donc je sais qu'il y en a certains d'entre vous sur la chaîne qui sont déjà abonnés à certains de ces pronostiqueurs-là. Donc si vous avez suivi tout le monde pour 10 euros de mise, donc là, vous allez pouvoir savoir, moi, je veux gagner 2000 euros par mois. Combien de mise je dois faire? Donc si je joue en flat betting, parce que là, les Oddsportal, c'est tout en flat betting, c'est-à-dire toujours pour la même mise, ce que je conseille pas forcément, moi, notamment sur
ma formation en gestion de bankroll, il y a des moyens d'optimiser tout ça. Et le flat betting, c'est juste, je veux pas m'embêter, je mets tout le temps la même mise, mais pour moi, c'est pas de la gestion de BK, hein, qu'on soit d'accord. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc pour 10 euros de mise, vous auriez eu 310 euros gagnés. Et si on continue sur cette tendance, on est à 620 euros. Donc vous voyez, 10 euros de mise, c'est vraiment rien du tout. 10 euros par prono, c'est vraiment une toute petite somme. Et même les bookmakers, ils rigolent hein, quand vous pariez 10 euros sur prono. Mais après, qu'on n'a pas une bankroll conséquente, bah, faut bien la faire monter un petit peu. Et croyez-moi, hein, 310 euros de gagner au bout de 14 jours pour 10 euros, c'est déjà exceptionnel. Pour 20 euros, on est à 620 euros de gagné et à la fin du mois, bon, on se fait un salaire, hein, même avec 20 euros par mise, avec 1240. Alors je répète que bah, si on continue sur cette tendance, alors moi je pense que Basket Infinite et Parion Stat vont rebasculer en positif, mais après on n'est pas à l'abri que bah, sur le nombre de pronostiqueurs, il y en a qui ont une tendance un peu plus basse. Donc ça peut arriver aussi. Mais bah, plus vous suivez de pronostiqueurs, plus ça se lisse. Hein. Effectivement, les résultats se lissent. Pour 30 euros, on est à 930 euros. Et là, on approche effectivement des 2000 euros par mois, puisqu'on serait sur une fin de mois à 1860. Donc pour 40 euros, on sera à 1240 aujourd'hui, au bout de 14 jours. Et si on continue sur cette tendance, on est sur une fin de mois à 2480. Donc vous voyez, pour arriver à 2000, bah, faudrait à peu près 35 euros de mise pour arriver à 2000 euros de bénéfice. Donc ça, c'est pour avoir une idée en tête bah, des mises qu'il faudrait mettre pour tout simplement gagner 2000 euros par mois. Que vous dites pas, ouais, avec 10 euros, je vais me faire 2000 euros par mois. Non, c'est clairement pas possible. Même avec quelqu'un de très très bon, un très très bon pronostiqueur, ça va être très très chaud. Par contre, moi je suis vraiment très très content bah, de tous les pronostiqueurs que je conseille. Maintenant, grâce au Watts Portal, on peut plus nous dire « Oui, vous n'êtes pas en positif, moi je vous ai suivi 3 jours, vous n'êtes plus en positif. » Là, on a la preuve par A plus B que la plupart sont en positif, que ceux qui sont en négatif, y a eu très très peu de pronos pour eux, donc je pense que ça va rebasculer en positif. Mais de toute façon, vu que les Watts Portal vont continuer, ils peuvent très bien se planter un mois et être gagnant sur le long terme, hein, ce que j'ai toujours expliqué, et ce que j'essaye toujours de vous dire, c'est que bah, effectivement, il faut suivre, quand vous pariez sur un pronostiqueur, il faut suivre la personne sur le long terme. Suivre un pronostiqueur sur un mois, ça sert vraiment à rien du tout. C'est peanuts, c'est que dalle, c'est comme si vous lanciez une pièce sur pile ou face, et est-ce que ça va tomber sur pile ou sur face? Il peut très bien louper ce mois, ça peut arriver, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas gagnant sur le long terme. Et après, si vous aviez fait confiance bah, uniquement à moi, donc pour mon vidéo, vous seriez à 8,5 unités de mise. Donc c'est facilement calculable hein, parce que pour 10 euros vous faites x10, donc ça fait 85 euros de gagné. Donc, je rappelle que 10 euros c'est une toute petite somme ridicule par prono. Si vous étiez à 100 euros par prono, donc moi je suis à 150 hein, que je mets sur mes propres pronostics, si vous étiez à 100 euros, rien que 100 euros par prono, vous seriez à 850 euros déjà de gagné. Donc on s'approche très fortement, si je fais exactement pareil sur les 15 jours qui restent sur le mois d'août, bon, on s'approche très fortement des 2000 euros par mois. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo trop trop longue parce que je vous inviterai bah, en description à regarder les pronostics de chacun, enfin, les bilans de chacun. Je vous mettrai aussi le lien des sites de chaque pronostiqueur. Si vous voulez faire confiance à un d'entre eux, bah, allez-y, bon, ils sont agréés pour nos Mathéo. Je ne sais pas si je ne veux pas faire un badge agréé pour nos Mathéo. S'il y a des personnes qui sont compétentes, n'hésitez pas parce que vous savez, sur mon VIP, je teste plusieurs tipsters. Donc il y en a une dizaine en test en ce moment qui vont peut-être rejoindre ma société ou non. Et si vous-même, bah, vous faites des pronostics et que vous avez un bilan de ce portal, s'il vous plaît, ne me présentez pas des bilans sur Excel parce que vous pouvez tout mettre, hein, tout et n'importe quoi. Je préférerais largement que vous auriez un bilan Hot Portal pour prouver, parce que je sais que Hot Portal vous pouvez pas le trafiquer tout simplement, qu'il y a trop de petits malins qui trafiquent leurs résultats. Donc voilà, si vous pouviez me soumettre ça, et puis effectivement, si vous êtes pas trop mal déjà sur 2-3 mois, bah, pourquoi pas vous intégrer déjà au tipster en test. Donc là, sur le VIP, on est à une dizaine de tipsters en test. Il y en a quelques-uns qui ont disparu parce qu'ils étaient pas bons, tout simplement. Ils ont été remplacés par des tipsters tennis en grande majorité. Donc voilà, donc il y en a qui s'en sortent plutôt pas mal, puisqu'il y a des tipsters en test qui ont fait 0 faute, donc 0 prono loupé en 14 jours en donnant un prono par jour, donc c'est plutôt très très bien. C'est ce que je vous demande, hein, quand vous êtes tipster en test, vous donnez un prono par jour, parce que sinon en termes de suivi, pour moi c'est chaud. Donc vous donnez votre plus grosse confiance tout simplement sur la journée. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, tous les tipsters vous les avez en description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Prono Mathéo. Bye.